Bonjour, bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui, une recette de saison. On y va, suivez-moi. Je m'appelle Michèle, je cuisine depuis une trentaine d'années. C'est une véritable passion, donc j'ai aussi un blog qui s'appelle Plaisir de la maison sur la plateforme Overblog. Et aujourd'hui, je vais vous faire des flans d'asperges avec une sauce citronnée puisque c'est la saison des asperges. C'est une petite recette que j'ai créée il y a à peu près 30 à 35 ans. Cette recette, elle est pour 6 à 8 personnes. On va prendre 1 kg d'asperges qu'on va nettoyer. On va prendre 4 œufs pour le flan. On va prendre 15 cl de crème fraîche, du sel et du poivre. Et pour la sauce, on a besoin de 20 cl d'eau, 20 g de maïzena, un bon jus d'un citron, 70 g de beurre. Alors on va commencer par cuire les asperges. Donc on peut les cuire à un cuit-vapeur comme moi, mais on peut les cuire aussi donc dans une casserole d'eau bouillante salée environ un quart d'heure, 20 minutes jusqu'à le temps qu'elle soit tendre. On peut le faire aussi à la cocotte minute. Là le temps sera un petit peu plus réduit, je pense que 8 à 9 minutes ça devrait suffire. Et au cuit-vapeur, il faut compter environ 20 minutes. Donc j'ai fait fondre mon beurre quelques secondes au micro-ondes pour pouvoir beurrer les petits moules pour la cuisson des flans d'asperges. Alors juste une petite astuce, au fond du moule, je vais mettre un petit cercle de papier pour faciliter le démoulage, parce qu'après j'aurai juste une lame à passer autour et le fond ne restera pas collé sur le moule. On peut casser les œufs, un petit truc. Quand on les casse l'un contre l'autre, il y en a toujours un qui casse et pas le deuxième. Alors on va mettre un petit peu de sel et un petit peu de poivre pour assaisonner la préparation, parce que les asperges c'est un petit peu fade. Et on va mettre pour 4 œufs 15 cl de crème fraîche. Donc les asperges sont cuites. Je vais les sortir et les couper pour les mixer. Je vais garder quelques pointes pour décorer. Donc là, je vais les mixer. Je vais rajouter juste un petit peu pour faire un peu de liquide avec les asperges. Donc là, je vais mélanger la purée d'asperges avec l'appareil à flan, c'est-à-dire les œufs qu'on aura battus, avec la crème fraîche et du sel et du poivre. Voilà, on mélange jusqu'à temps que ça soit homogène. Quand la purée est bien avec l'appareil à flan, on va pouvoir remplir les petits moules à flan. Alors on peut le faire aussi dans des moules en silicone. On remplit donc le plat où sont posés les ramequins et donc ça va servir de bain-marie. Alors le bain-marie dans un four à chaleur tournante n'est pas indispensable, puisqu'on dit que bon, on n'en aurait pas de besoin. Moi j'en mets parce que je trouve que ça garde quand même un petit peu de moelleux. Et on va faire cuire 20-25 minutes. Bon, après, pour accompagner ces flans, on va faire une sauce au citron, mais pour moi c'est une fausse hollandaise, puisque dedans il y a quand même du beurre, il y a du citron. Mais pour la lier, au lieu de la lier avec des jaunes d'œufs qu'on fait émulsionner donc au bain-marie avec le jus de citron, là je vais juste mettre soit le bouillon des asperges, soit de l'eau qu'on va lier avec de la maïzena. Donc on va prendre 20 cl d'eau pour 20 g de maïzena. On va faire épaissir et après on ajoutera du beurre, donc 75 à 80 g, donc un peu moins gourmand qu'une hollandaise. Et après du jus de citron et un jaune d'œuf pour la couleur. Alors pour préparer la petite sauce citronnée, on va prendre donc 20 cl d'eau sur feu moyen. On va mélanger 20 g de maïzena ou de fécule de maïs. Ça peut être aussi de la fécule de pomme de terre, mais pas de la farine. On mélange bien et quand ça va arriver à ébullition, ça va épaissir. Ça va nous faire une espèce de bouillie au maïzena. J'éteins le feu. Je vais rajouter mes petits morceaux de beurre. Là, je vais ajouter un peu de sel et un peu de poivre, un peu de jus de citron. Je vais finir ma liaison avec un jaune d'œuf. Voilà, la sauce est terminée. Alors j'ai passé la lame de couteau autour, je le retourne et quand je soulève le ramequin, le flan se démoule et il ne reste plus qu'à enlever la petite épaisseur de papier. Je mets une petite pointe d'asperge et je vais mettre un cordon de sauce. Donc voilà, la recette est prête. Nos petits flans d'asperges sont démoulés avec la petite sauce. Alors pour la sauce, on peut la préparer en avance. On peut faire toute la base, la liaison maïzena et eau, le jus de citron et le beurre, le laisser refroidir si vous avez du monde et au dernier moment, réchauffer l'ensemble et rajouter juste le jaune d'œuf. Si vous voulez partager vos recettes comme moi, n'hésitez pas à contacter ripaille.tv sur leur site ou sur leur page Facebook.
et à bientôt sur ePaille TV.